Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting. Aujourd'hui, je vais vous faire le déballage de deux pièces de point de croix imprimées. Alors, je vais commencer tout de suite par un premier. Alors, les deux, c'est des 11 cantes, ça veut dire 11 points au pouce. Alors, première, c'est elle. OK, elle mesure 65 par 85. On va déballer ça, ici. Ça va voir l'image plus. Elle est belle. Alors, je pense que c'est encore imprimé très, très petit. Alors, on a ...37 couleurs. Regardez ici les couleurs. Alors, tout de suite, on a un sac avec les supplémentaires. On a ça ici. Un carton avec juste une couleur. Puis, on a les autres couleurs ici. Wow! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Oh, j'adore ce rose ici. Superbe. Et là, on va regarder le canevas. Très grand. Ouais, il y a quand même beaucoup de blocs de couleurs. Là. Regardez le rouge et le jaune. Là. Je vais en avoir en masse à faire de l'uni. C'est quand même beaucoup des blocs. Regardez, 15, combien j'en ai ici. Ouais. C'est grand, mais c'est quand même assez de base comme... ça se fait très facilement. Alors, si je regarde son visage... En fait, ce qui va avoir le plus de confettis, ça va être dans ses cheveux. Mais ça va très bien se faire quand même. Alors, j'adore. Yeah! Oh, j'aurais tout envie de commencer tout de suite. OK. Alors, ça, c'est la première pièce. C'est... La deuxième, il n'y a pas de... OK, c'est différent, ça. Ils n'ont pas mis des fils coupés. Ils ont mis carrément des bobines dedans. Avec des bobines de DMC. En fait, c'est pas du DMC. C'est leur marque de en Chine, là. Mais c'est l'équivalent de DMC. En fait, moi, je trouve que la qualité est très similaire. Même, ils sont un petit peu plus épais, les fils. Alors, on a comme un thumbnail ici. On voit la petite fille qui tient un ourson. Alors... Vous envoyez carrément une chose pour que je puisse mettre les fils à mesure. Je vais regarder le patron. Vous envoyez en masse d'aiguilles. OK, c'est un 48 par 68. Le patron est tout sur une page. Et on a 35 couleurs. 35 couleurs. Et si j'ouvre le canevas, oups, c'est à l'envers.
Bon, je vais avoir un peu plus de défis sur celui-ci. Comme on voit, il y a beaucoup plus de confettis. Mais il y a quand même beaucoup de blocs de couleurs. Il va très bien se faire aussi. 174 points de large par 261. Ah, fait que je l'aime beaucoup. Ça, c'est des pièces que j'ai commandées chez FGOBY. Alors, les deux que j'avais présentés plus tôt cette semaine, c'était de là qu'ils venaient aussi. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet unboxing. Si vous avez des commentaires, je vous en prie, faites-les. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien, qu'est-ce que vous attendez? Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à la prochaine.